Hello Camp, bonjour, moi c'est Claire Griveaux, je suis directrice des opérations au centre de formation créative. Alors, Créative, c'est un centre de formation qui forme au métier du numérique depuis 7 ans. Assez connu comme designer web, développeur web, mais aussi tout ce qui est web marketing, e-commerce. Et il y a des métiers plus émergents qui sont un peu moins connus, comme prototypeur numérique, imprimeur 3D, ou aussi tout ce qui va être cybersécurité, data architecte, voire même business intelligence. On forme des formations infra-bac qui sont labellisées par la Grande École du Numérique et des formations post-bac qui sont bac plus 2 et bac plus 3 avec des titres reconnus par l'État et des formations en partenariat avec le CNAM. Nos apprenants sont soit des salariés ou des personnes qui souhaitent se reconvertir dans les métiers du numérique, soit des jeunes bacheliers ou des jeunes qui, après une année d'université, souhaitent se réorienter sur les métiers du numérique. Donc pour s'inscrire chez Créative, d'abord on vous invite à venir à nos journées portes ouvertes. Elles ont lieu tous les mercredis et tous les samedis du mois de mars et du mois d'avril. Pour vous inscrire, il faut aller sur hello@creative-formation-au-singulier.fr. Avec le protocole sanitaire, c'est forcément sur rendez-vous. Alors, ce qui nous différencie des autres centres de formation, on est une structure à taille humaine. Tous nos groupes ne font que 15 personnes maximum, parce que l'objectif pour nous, c'est de les accompagner vraiment de manière la plus personnalisée possible et de déployer une pédagogie vraiment innovante. C'est des semaines projet tout le temps, c'est-à-dire toutes les semaines, nos stagiaires font des réalisations qui vont leur servir pour leur book ou leur portfolio. Et on a, en plus de toutes ces semaines, des semaines atypiques où des dirigeants d'entreprise nous confient des missions, nos stagiaires travaillent dessus et produisent en situation réelle, soit en mode hackathon pour les semaines un peu compétitrices, soit en mode collaboratif. On a aussi déployé une application qui s'appelle Doki qui permet à nos stagiaires de se former avant un cours, après un cours et de manière ludique. Il y a des jeux dedans et l'idée c'est vraiment d'avoir un accompagnement différent de nos apprenants.